fait une demi-heure qu'ils ont appelé. Faut vraiment qu'on y aille. Ils pourraient pas commencer leur connerie à 10h, 10h30. Il devrait y avoir une loi contre ça. Ah, alors l'agression a lieu il y a une heure. Voilà, deux types avec des passe-montagnes ont cassé le carreau. Là, fracturé la porte. Peut-être des drogués en manque qui espéraient trouver de la cam. Enfin, en tout cas, la secrétaire dort au rez-de-chaussée. Elle a entendu du bruit, elle s'est levée. Les types l'ont dérouillé. Ils ont cassé du matos et ils sont partis. Et ils n'ont rien volé? Apparemment, non. Directeur. Aïe, mais putain, mais fais gaffe, merde! Bonjour, police. Ça fait trois fois que je raconte la même histoire. De toute façon, j'ai quasiment rien vu. Tu crois que je vais garder une cicatrice? Je ne sais pas, ne bougez pas. Aïe. Vous voulez bien raconter un peu ce que vous avez vu? J'ai entendu du bruit et je pensais que c'était un type mal en point qui tapait à la vitre. Ça arrive souvent. Je me suis levée, je tombe sur deux types qui étaient rentrés. Aïe. Aïe. Ils ressemblaient à quoi, ces deux types? Ben, je les ai à peine vus, je te dis... Je sais pas, genre bon français, quoi. 40-50 ans, ils avaient des passe-montagnes et c'est des enfoirés. Ils sont mis à casser des trucs, j'ai voulu les empêcher. Ils m'ont tabassé, ils sont tirés. Je peux pas travailler, là. Hein. Laissez-moi finir mon examen. Pardon. Oh non, mais c'est pas vrai. Regardez-moi ce bordel. Vous allez pas emmerder les gens qui dormaient là cette nuit. Vous comptez porter plainte? Bah oui. Alors il faut bien qu'on fasse notre travail. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Depuis que le centre est ouvert, on a les coups de fil anonymes, les vitres cassées, les insultes. Les gens du coin supportent pas le voisinage des toxicos. C'est comme ça. C'est partout pareil. On n'y peut rien. Vous voulez dire que c'est des gens hostiles à votre centre qui auraient pu faire ça? Ça me paraît peu probable. Ah bah attendez. Regardez ce qu'on trouve dans les boîtes aux lettres depuis quelques jours. Vous faites des prises en charge de 24 heures, c'est ça? On va jusqu'à 48, mais en général c'est 24. Vous aviez combien de pensionnaires cette nuit? Une dizaine. Capitaine, parce que je... Vous finissez les identités, vous montez dans les pioles, vous examinez. Non mais attendez, vous allez pas fouiller les pioles? Vous avez peur qu'on trouve quoi? Rien. Rien. On est victime, mais vous agissez comme si... Monsieur le sueur, ce que vous faites, moi j'ai rien contre. Quand il y a un problème comme ça, il faut bien qu'on enquête quand même, non? Après tout, l'agression, on sait pas d'où elle vient. Je vous dis que ça vient d'à côté. Vous voyez, le traiteur là-bas, allez voir le patron. C'est lui qui a créé le comité qui demande la fermeture du centre. Il sait sûrement d'où ça vient, ce coup-là. On le convoquera. Lieutenant, vous prenez sa plainte à elle et on rentre à la base. Capitaine. D'après nos investigations, les tracts ont été renéotés dans la cave d'un épicier voisin. Les histoires de trac, j'aime pas beaucoup, mais enfin bon, vous auditionnez l'épicier, vous voyez où ça mène et vous me rappelez. Mais respect, monsieur le substitut. J'en profite de vous tenir tous les deux. Voilà, Janine et moi, on aimerait bien vous avoir à dîner un soir à la maison. Oui, quand ça? Demain soir, par exemple. Demain soir? Bah oui, parce que c'est le soir où Janine termine à 6h. Sinon, ça reporte à... Bon, tu... Qu'est-ce que t'en dis? T'es libre demain soir? Bien sûr. Bon, super. Ok, ben on dit demain soir 8h à la maison. Vous aimez le poulet? Oh, j'aime tout, moi. Moi aussi, surtout le poulet. J'ai rarement ça à l'épicier. Je viens d'arriver. Vous me l'amenez dans mon bureau, merci. Je suis pas de casier. Voilà, monsieur, c'est pas de casier, mais je vais vous tout de suite. Je vais appeler la préfecture. Titon, la petite partie à 4, on peut pas éviter. Tant t'es dur. Je l'adore, Leonetti, dans le travail, mais sinon, j'ai rien à lui dire, moi. Eh ben, t'as jusqu'à demain soir pour trouver quelque chose. Entrez. Entrez, entrez. Je suis le capitaine Fournier, le lieutenant Lopez, essayez-vous. Gérard Moncel. J'ai reçu une convocation. Oui, c'est pour l'agression de ce matin, monsieur Moncel. J'ai rien entendu, je prenais ma douche en écoutant la radio. On dit que vous n'êtes pas un grand fan du foyer. Vous savez, ce que les gens disent. Vous avez quand même créé une association dont l'unique but est d'obtenir sa fermeture. Et alors, c'est légal? Je comprends pas, là, vous pensez que je suis pour quelque chose dans l'agression de ce matin?
Vous y êtes pour quelque chose? Non. Ça vous a pas bouleversé non plus, hein? Mais alors, je vais pas pleurer. Mais c'est pas comme ça qu'on obtiendra la fermeture. Au contraire, ça en fait des victimes alors que... Alors que? Venez vous balader le soir vers 18-19h autour du foyer ou le matin de bonne heure. Ça deal, ça traîne, ça aborde les passants, t'as pas une clope, t'as pas 100 balles. Ce que les gens comprennent pas, c'est que le commerce, c'est une question de confiance. L'envie de regarder une vitrine, de rentrer dans le magasin. Et surtout l'épicerie fine. Une chure de mouche sur la vitre et t'as plus un client pendant 2 heures. Alors une tripotée de drogués, vous pensez? C'est vous qui avez fait imprimer ça? Oui, après. Non, je sais pas, nettoyer la place, nettoyer... Quand on fait un tract, faut bien... Oui, mais vous appelez un trouble de l'ordre public, là, c'est pas légal. Mais le deal de drogue, c'est légal? Ça deal toute la journée sur la place. Vous ouvrez les yeux? Vous faites rien, faut bien qu'on fasse quelque chose. Ah bon, parce que vous faites quoi? Vous fracturez leur porte et vous envoyez une jeune femme à l'hôpital? Je vous ai dit que j'étais pour rien. Je ne vous crois pas. Lieutenant. Est-ce que quelqu'un vous a vu ce matin vers 7h30? Désolé, je vis seul. Non mais c'est incroyable, c'est moi qui suspectais alors que ce repère de délinquants à pignon sur rue. Croyez pas qu'on peut les aider les toxicos parfois. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? Je suis pas toxico, j'ai pas d'enfants toxico, j'ai pas d'amis toxico, j'ai mes problèmes, j'ai mes traites que j'arrive pas à payer. J'ai quand même pas peur de la moitié de mes clients parce qu'ils ont peur de se faire agresser devant le magasin, non? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute moi? Ces drogués qu'il faudrait soi-disant prendre en charge, vous pouvez me le dire? Non, je peux pas, si vous le voyez pas tout seul, je peux pas. Bon, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui, vous signerez votre déposition en sortant, on vous tiendra au courant. En tout cas, il y a qu'une solution, c'est de le fermer ce foyer. Le maire le sait, le préfet le sait, personne fait rien. Ça continue, ça pètera. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça pètera, mademoiselle. Ne me raccompagnez pas, je sais où c'est. J'ai pas du tout aimé ta façon de me reprendre. Ça tombe très bien, j'ai pas du tout aimé ta façon de l'interroger. Tu trouves quoi? Que ce type est con, qu'il a une tête de facho? C'est pas ton problème. Ton problème, c'est de savoir s'il a fait l'agression de ce matin. Oh, bah ça te ressemble bien, ça. Surtout, on s'engage pas, on reste... On reste à sa place de flic. À sa place de flic. Je m'appelle Marie-Noël. Je suis alcoolique. Bon, ben voilà, ça va pas très fort. J'ai replongé jeudi. Je suis repartie pour un tour, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Marie-Noël. On va terminer avec Henri. Henri? Je m'appelle Henri. Je suis alcoolique. Mais aujourd'hui, ça fait 7 jours que je n'ai pas bu. Attendez. Je tenais à vous dire que ces 7 jours, c'est grâce à vous. Je sais, c'est pour ça qu'on est tous là, mais je tenais à vous le dire. Pourtant, au début, je vous ai vraiment tous trouvé casse-couille. Donneur de leçons, chiant, quoi. Je me demandais ce que je faisais là. Les groupes, c'est pas mon truc. C'est vrai, vous êtes chiant. Merci. Merci à toi, Henri. Bon. Eh ben, au revoir. À mardi prochain. Simone. Simone. Oui. Vous savez, c'est surtout à vous que je dois dire merci. Vous? Non, mais je suis de la vieille école, moi. Moi, j'ai quitté l'école depuis longtemps. Allez, bonne chance. À mardi. Et j'avais pensé qu'on aurait peut-être pu aller boire un verre ensemble. Quoi. Un verre d'eau, un verre de jus de fruits, bien sûr. Mais un verre, quoi. Ça servira à quoi? On aura moins soif. D'accord. Bonjour petit. Ah, Fournier. Bonjour. Dites, je suis passé à la DPJ, j'ai reçu les félicitations du patron pour le racket au collège. Et plus concrètement, Pépette. Alors, capitaine Fournier et lieutenant Lopez. Voilà. Merci, chef. Non, attendez, je peux pas avoir le double de ce qu'elle a. J'ai toujours réparti les primes à la hiérarchie, que je sache. Mais enfin, là, c'est... Bon,
Je vais quand même pas changer sous prétexte que j'ai un capitaine qui fait des galipettes avec un lieutenant. Il n'a qu'à lui offrir des fleurs, avec la différence. Certainement pas, merci. Capitaine. Bon, ça y est, on a fait la perquise du foyer. Hein. Ah oui, le résultat. Un cran d'arrêt, un coup de poing américain et une demi-savonnette de shit qu'on a trouvé sous un matelas. Ben, je croyais qu'il faisait de l'écoute au foyer, pas du trafic de drogue. Le shit, il est acquis ? Bon, ben, ils sont tous renvoyés la balle. Hein. Ah, on a aussi trois étrangers en situation régulière. Bon, ouais, on n'avait pas d'OPJ avec nous, alors on a laissé pisser. Et bon, enfin, d'ailleurs, à ce sujet-là, il faudrait que vous me signiez le PV de perquise. Vous avez mis mon nom ? Les copains m'ont dit que vous étiez cool. Si le procureur voit ça, vous savez où. Il verra pas. Ouais. Bon, on va pour celui-là. PJ Saint-Martin, ne quittez pas. Oh, c'est pas vrai. Je suis au fast. Je vous en prie. Oui, j'écoute. Votre mari a disparu. Depuis ce matin. Oh, il va sûrement revenir, madame. Vous inquiétez pas. Oui, je note votre nom. Alors, Dupuis, avec un Y. D'accord. Au revoir, madame Dupuis. Au revoir. Madame, je viens porter plainte. Voilà. Notre assistante nous a parlé d'escroquerie. Oui. Avec mon mari, on a deux filles, Léa et Christelle. Elles ont 2 ans et 3 ans. Déjà, pour Christelle, Joseph, il avait fait la tête parce que mon mari, Joseph, il aurait voulu un garçon. Moi aussi, j'aurais voulu un garçon, mais bon. Alors, quand je suis tombée enceinte en juin dernier, j'ai eu peur. Peur de la réaction de Joseph, si c'était encore une fille. Mais vous aviez peur qu'il lui fasse du mal ? Ah non, non, mais il allait pas l'aimer, quoi. Alors, ma collègue à la clinique, je suis aide-soignante, je travaille à la clinique Saint-André. Ma collègue, elle m'avait parlé d'un monsieur, monsieur Jacques, un ancien pharmacien qui connaissait des plantes, un peu comme un guérisseur, quoi. Vous vouliez avorter ? Ah non, non, pas du tout. Non, je suis croyante, vous savez. Mais ma collègue, elle m'avait dit que monsieur Jacques, si on voulait un garçon, il faisait qu'on avait un garçon. Après la conception du bébé ? Comment ça ? Je veux dire que monsieur Jacques, il peut faire que ce soit un garçon alors que le bébé est déjà dans votre ventre ? Ah non, non, oui, je sais, non. Mais comment dire, monsieur Jacques, il connaît des plantes qui... Après tout, il y a des tas de trucs qu'on sait pas dans la nature. Je veux dire, on découvre des choses tout le temps. Tenez, à la télé, là, ils ont trouvé un nouveau médicament contre l'eczéma. Eh ben, c'est une vieille recette indienne qui existe depuis des siècles. C'est fait avec des plantes, des fougères. Ils en ont même parlé dans le bulletin de la clinique. Bon. Vous êtes donc allé voir monsieur Jacques. À quelle adresse ? 20 rue Champin, 2e étage. La dernière fois, c'était quand ? C'était le 28, le matin vers 8h30, parce que je venais de poser les petites à la crèche. Et contre de l'argent, il vous a promis que vous auriez un garçon ? Oui. Il a été très gentil, il m'a bien écouté, bien gentiment. Et puis, il m'a fait boire une tisane au citron. Et il m'a appliqué une potion sur le ventre, un peu comme une crème pour les mains, mais sur le ventre. Ça faisait du bien. Il vous a pris combien ? 1200 francs. Évidemment, je les avais pas. Mon mari est au RMI et moi, j'ai à peine la moitié du SMIC. Je suis à mi-temps. Enfin, c'est censé être à mi-temps. Alors, de côté, j'avais les 300 francs pour la carte orange du mois. Comme on était le 28. Bon, ben, pendant un mois, je suis allée travailler à pied. Il suffisait que je me lève un peu plus tôt. Joseph, ça le réveille pas quand je pars. Et puis, j'ai pris les 900 francs qui manquaient sur notre livret bleu. Je me suis dit que si ça marchait, Joseph, il m'en voudrait pas. Seulement, vous venez de passer votre deuxième échographie, et c'est une fille. Si Joseph, il apprend que j'ai pris les 900 francs sur livret bleu pour ça, ça lui dire... Je sais pas ce qu'il va faire. Autant être franc, madame. Il y a assez peu de chances qu'on arrive à le coincer, ce monsieur Jacques. Et qu'on récupère vos 1200 francs. Mais si je porte plainte, vous pouvez aller le voir puisque je vous ai laissé l'adresse. Oui, mais il sera sûrement plus là, madame. Ce genre d'escrocs, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils louent un appart, ils font leur beurre, ils disparaissent. Il n'y a pas d'espoir, alors ? Mais si, il y a toujours de l'espoir. Un petit espoir. Sinon, à quoi bon se lever le matin ? Mais du calme. Je serai calme quand j'aurai du café.
téléphone. PJ Saint-Martin. Madame Dupuis. Non, après 4 heures de disparition, on n'envoie pas d'enquêteur, je suis désolée. Mais il va revenir. Vous inquiétez pas, au revoir. Ça te fait écraser par un camion, Dupuis, ça arrive, ça. Super forme ce matin. Ouais. Ah. Et c'est cher. Je crois qu'il faut manger dans ces cas-là. Ça occupe l'esprit. Ne t'inquiète pas, je vais tenir. Je tiens depuis 8 jours. Je vais pas craquer maintenant. Bon, faut manger? J'y vais. Si c'est la Dupuis, je la tue. PJ Saint-Martin? Ok, je le préviens. Ça barre près du foyer. Quand l'épicier est revenu d'ici, il a trouvé sa vitrine démolie et 2 ou 3 bricoles volées. Lopez! Quand il y a que moi, vous pouvez l'appeler Marie, hein. Gentil de passer me voir. Vous en venez beaucoup de choses? Non, vous embêtez pas, c'est rien, des terrines, de la confiture. C'est juste une demi-journée de chiffre d'affaires, plus la franchise de l'assurance. Rien à voir avec la misère sociale combattue par nos proches chevaliers. Vous mélangez tout, là. Non, mademoiselle. Celui qui a fait ça, il venait de là, il y est retourné après. D'après les témoignages, c'était un homme de couleur. En fait, on sait pas s'il venait du foyer, mais c'est vrai qu'il y est allé après. Les 3 témoins sont d'accord là-dessus. Vous êtes allé voir? Ben, on vous attendait. Les témoins, ils le décrivent comment? Noir, taille moyenne. Sur les vêtements, ils sont pas d'accord. Eh ben ça, c'est un signalement, hein. Vous avez du nouveau? Vous savez quand même que l'épicerie de Monsieur Moncel vient de se faire attaquer? C'est pas vrai, le pauvre. J'espère qu'il est pas blessé, au moins. D'après nos informations, l'homme qui a fait ça est venu ici. C'est Moncel qui vous a dit ça? Non, c'est un agent de police judiciaire. Alors je suis obligé de vous demander si un noir de taille moyenne est entré dans le foyer dans la dernière demi-heure. Un noir? Non mais vous allez rire. Figurez-vous qu'il y en a pas mal ici. On vous demande si vous l'avez vu dans la dernière demi-heure, monsieur le sieur. Je ne vois pas pourquoi je vous répondrai. Parce que sinon on recommence la perquisition. Cette fois-ci on sera moins coulant avec les étrangers en situation irrégulière. De mieux en mieux. Vous avez un mandat? On est en flagrant délit, on n'a pas besoin de mandat. Et je dois vous dire que je commence à trouver votre attitude un peu pénible. Vous avez été agressé ce matin, ok, on enquête dessus. C'est pas une raison pour faire de l'obstruction systématique quand même. Vous n'avez pas à défendre un type qui va casser la vitrine de votre voisin. Vous faites vraiment tout pour jeter de l'huile sur le feu. Je suis désolé, j'ai pas fait attention aux entrées et aux sorties. J'étais en train de ranger ce bordel. Si vous pouvez pas contrôler ce qui se passe dans votre foyer, je vois mal comment vous pouvez jouer votre rôle de prévention. Eh bien, adhérez à l'association de Moncel. Bon, bah vous venez ou vous venez pas, nous on va visiter les étages. Nyung Nyao. Vincent, la fenêtre. Police, arrêtez-vous! Monsieur Bonsal, écartez-vous! Aidez mon peur! Ah, con! Ça va? Ça me fait rien. Tu n'en penseras pas en paradis, toi! Monsieur Bouge pas! Lève! La fille qui croit pouvoir influer sur le sexe de son gamin après la conception. Avec une pommade. Elle a le droit de rêver, la bonne dame, non? Ouais, bah ses rêves, tu vois, ils nous font perdre notre temps. Tu penses pas qu'on a autre chose à foutre, non? Pourquoi tu dis ça? C'est dégueulasse ce qu'il fait, ce mec-là. Moi, je serais content de le serrer. Ouais, et bah si elle est assez conne, pourquoi rendre ses pommades? Enfin, je veux dire... Notre boulot, c'est de s'occuper des cons comme des autres, non? Ah bah c'est profond, ça. Allez, amène-toi. Excuse-moi, mais je suis un peu essoufflé, moi. Bah ça, c'est parce que t'es trop gros, tu fais pas assez de sport. Arrête, j'ai perdu 4 kilos en 3 mois. Eh ben, il faudra travailler plus, mon pote. Remarque, si on arrête Monsieur Jacques, tu pourras peut-être lui demander une petite pommade. C'est un monsieur très comme il faut. Il recevait du monde. Il avait un chien, un collet, très beau. Oh, mais vous avez raison, il a tout déménagé. Et il habitait là depuis longtemps? 3 mois, peut-être. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire au propriétaire? Il recevait du courrier? Non, ou alors très peu, parce que je m'en rappelle pas. Et évidemment, il ne vous a pas dit où il allait. Il m'a pas prévenu qu'il partait, je vous dis. Un monsieur tellement bien. On se trompe, hein. Ça me rappelle ma fille. Elle vient de rompre avec son ami. Ils avaient l'air tellement heureux. Il m'a offert ses boucles d'oreilles, là. Monsieur Jacques? Mais non, l'ami de ma fille.
C'est daté d'hier, 18h. C'est le shopping de la rue Gloria. Je le connais, Janine, il fait ses courses. Eh bien, on va peut-être pouvoir le loger. Si les caissières se rappellent de lui. Avec le patron de la DPJ. Et ça sent aussi. Bon, tu l'installes à la cuisine, t'appelles un médecin qui examine sa cheville avant le début de la GE. À vos ordres, chef. Il y en a qui mangent dans la cuisine. Restaurant. PJ Saint-Martin. Capitaine, vous pouvez pas prendre ça là-haut ? Non, madame Dupuis, on n'a pas rapporté de crime ni de suicide. Ouais, c'est ça. Je note votre appel, comme les autres. Au revoir. Putain, Dupuis, rentre jamais, fais pas le con. Ah, capitaine Fournier. Alors, cette histoire de foyer, ça donne quoi? L'épicier agressé a porté plainte, évidemment, et le quartier chauffé à blanc. Et l'agression de ce matin, vous pensez que ça vient d'où? Je sais pas. Les RG nous disent que l'épicier qui diffuse les tracts est d'extrême droite. C'est possible, je suis pas au courant, je vois pas le rapport avec l'affaire. J'avais demandé qu'on me dérange pas. Allô, Simone? Oui, non, mais là, je peux pas, je suis en réunion. Oui? Bon, ben, d'accord, demain dans la matinée, oui, oui, oui. De toute façon, je bouge pas d'ici. Voilà. Au revoir. C'est une nouvelle de la presse. Elle s'occupe du matériel. Des trucs à régler. Bon, voilà. Le maire de l'arrondissement est venu me voir tout à l'heure. C'est un des grands supporters du foyer. Il jure que par la prévention... de son âge. C'est courageux, ça, pour un élu. En politique, les courageux sont les plus chiants. En tout cas, il dit qu'il faut casser la spirale de la violence. Je suis assez d'accord, mais je vois pas bien comment. Lui, il voit. Il veut une table ronde avec les gens du foyer, les commerçants et les riverains. Il dit que c'est à nous de l'animer. Enfin, quand je dis à nous, à vous. On a convoqué tout le monde pour demain matin, 9h, ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? C'est plutôt eux qui sont censés dire quelque chose. Écoutez, Henri, ces foyers ne servent à rien, ces réunions encore moins. Il faut bien les faire. C'est pas nous qui faisons les lois. Bon courage. Salut. Ça va aller? Oh oui. Je crèverai pour un verre. J'ai la main qui tremble, la vue qui se brouille. J'ai envie de tout envoyer péter. Et le matin, ce sera encore pire. Mais ça va, ça va. Pas bien, mais ça va. Vous pouvez y aller, j'ai besoin de la place, là. Donc, vous vous appelez Aristide Ouéraogo. Ok. Alors, est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez jeté cette pierre dans cette vitrine? Mais c'est pas moi qui ai fait, madame la commissaire, c'est pas moi. J'en ai marre, ce truc. C'est pas moi qui ai fait, madame la commissaire. Bon, on a tous les témoignages, je te crève pas. Mais je voulais dire que c'est pas de ma faute. Parce que j'ai faim. Et puis... l'épicier, c'était un méchant homme. Il a attaqué Chérifa ce matin. Vous l'avez vu? Non, madame la commissaire. Pourquoi vous dites que c'est lui? Tout le monde dit au foyer, madame la commissaire. Et vous y allez souvent au foyer, là? Ah ouais, c'est bien là-bas. Il y a les lits, et les draps, et l'oreiller. L'oreiller. La doctoresse, elle est un peu bête, même très bête. Mais moi, elle me connaît. Elle me parle pas, la désintoxication. Désintoxication. Je suis bien là-bas. En plus, on trouve du ganja pas cher, hein. D'accord. Donc, on va vous déférer devant le juge. Hein, parce que quand même, une pierre de 5 kilos plus un coup de couteau, c'est très grave. Mais je ne référerai plus, madame la commissaire. C'est plus refait, wallahi, je promets, wallahi. C'est comment, wallahi? Vous êtes interdit de séjour? Oui, madame la commissaire. Mais ma femme est ici. Mais elle est où, votre femme? Dans un squat, là-bas, à Belleville. Mais moi, c'est pas aller trop là-bas. Parce que nous, c'est disputé avec ma femme. Pendant l'agression, vous avez vu et entendu quoi exactement? Mais rien!
Je dors. La nuit, j'ai bu beaucoup. Si vous voulez qu'on puisse faire un effort avec le procureur, il faut nous donner quelque chose. Mais madame la commissaire, moi, j'ai pas l'argent. Pas ni l'argent. Non, mais Aristide, on vous parle pas d'argent, là, vraiment. On vous parle d'informations. Nous, on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. J'ai déjà dit, je dors. Pendant la nuit, vous n'avez rien vu de spécial. Ah, la nuit, madame la commissaire, un arabe est venu se coucher à côté de mon lit du mien. Et il me réveille et c'est vouloir la drogue. Oui, la drogue. Moi, je dis, j'ai pas, il me laisse. Ça arrive souvent. Et après l'attaque ce matin, les gens ils disent que la police est arrivée. Je descends en bas, j'ai regardé, l'arabe n'était plus là, il avait disparu. D'accord, donc il est parti avant qu'on arrive. Vous savez comment il s'appelle? Chérifa le connaît. Mais madame la commissaire, ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit, hein? On dira rien. Christophe! Bon. Devant le procureur, on va te charger le moins possible. Si on vous demande de quel pays vous êtes, rien ne vous oblige à le dire, ok? Merci, madame la commissaire. Merci beaucoup, madame la commissaire. Ah! Bon, va falloir que notre ami Chérifa éclaircisse un peu son récit, là, parce que... Oui, madame la commissaire. Attends une seconde, je vais à dîner, m'asseoir. C'est peut-être pas mal, ça, pour l'entrée. Ouais. Ben, ce prix-là, ça doit pas être terrible, hein. Il y a quand même 20% de foie gras. Ouais, ben, alors prends-en, mais viens. Ce qu'il y a, c'est qu'ils disent rien sur les 80 autres % qui restent. Je suis fermée. Police judiciaire, ce ticket vient bien chez vous? Oui. Vous vous souvenez du type qui a acheté ça? Dis que je suis pressé, moi. Oh, ça va. C'est pas moi qui ai tapé ça, 33. C'est le code de Nathalie. Nathalie? Mustule apéritif, goût bacon, saumon fumé danois promo, blinis promo, gâteau au chocolat surprise, chevreuil aux érelles promo, préservatif promo. Un type qui voulait passer une bonne soirée, ça vous dit rien? La quarantaine, dégarni, avec un chien, un collet. Ah oui, ça y est, un collet. Il l'attache toujours au poteau des chariots, pas vrai, Ingrid? C'est moi qui l'ai servi hier. J'ai même tapé le saumon à la main, 33,05 francs, je m'en rappelle. C'est donc un habitué? Vous savez pas où il habite? Non, non. Je sais qu'il habite pas loin parce que je lui ai proposé un carton pour tout ce qu'il avait acheté et il a refusé. Il m'a dit j'habite à 50 mètres. Ça va durer longtemps. Enquête criminelle, juste 50 mètres? Vous vous rappelez pas d'un autre détail? Bah non. Enfin, je sais que les courses c'était pour un dîner demain soir en amoureux, il l'a dit ça. Et puis... Ah oui, puis son chien il s'appelle Rock. Non, Vic. Vic. Faudrait que je vienne témoigner? Ah oui? En tout cas, si on l'attrape. Excusez-moi, mais je suis garé en double film. C'est interdit par la loi, ça, monsieur. Vous avez déjà goûté ce truc-là? C'est bon? Oui. Pour le prix, c'est bon, oui. Pourquoi? Bonjour, Chérifa Blit, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va? Oui. Toi? Alors, Bernardo m'a dit pour demain? Oh, ce sera simple, hein. Je finis à 18h. Dis la jeune maghrébine de ce matin, Chérifa Abnit, tu sais où elle est? Oui, elle est au 15. Mais vous l'emmerdez pas trop, hein, parce qu'elle a morflé. À demain. À demain. Dis, je voudrais pas faire trop de potins, mais elle était pas un peu collée serrée au mec, Janine, là? Non, c'est toujours comme ça, les milieux médicaux. C'est normal. C'est ton pote, Bernard, c'est pas le mien. On dérange pas trop? Non. C'est dingue, ça fait une heure que je leur dis que le son marche pas. Ça va? Sauf quand je me regarde dans la glace, sinon ça va. Mais bon, c'est cool, ils me laissent sortir ce soir. Dites, on a un petit souci avec ce qui s'est passé ce matin. Oui, on a un témoin qui nous a parlé d'un homme, d'un maghrébin qui serait venu au foyer en plein milieu de la nuit. En théorie, vous n'acceptez personne après minuit, c'est ça? Non, on n'a pas le droit, c'est le règlement. Il est venu ou pas? Si vous voulez te dire l'eau, il me vire. On n'a aucune raison particulière de le lui dire? Cette nuit, j'ai laissé rentrer un type qui tapait à la vitre. Il faisait froid, il avait une bonne tête. Vous le connaissiez? Non. Je crois que son nom, c'est Mouloud, mais je suis pas sûre. Il doit être marocain. On nous a dit que vous le connaissiez bien. Mais qui c'est qui a pu vous dire ça? Peu importe. Il faut arrêter de raconter des salades, Chérifa.
Sinon, après, on va croire que vous êtes mêlé à l'agression. Non, mais ça va pas. Vous avez vu un peu comment il m'a arrangé, ce con? Bon, vous nous avez dit qu'ils étaient deux. Ouais, mais il y en a qu'un qui m'a frappé. Et le type, Mouloud, c'est qui? C'est un type avec lequel j'ai eu une histoire il y a 2-3 mois. Quand il est dans la merde, il vient dormir au foyer. Avec vous? Non, c'est terminé. Quand on est arrivé, il était plus là, pourquoi? Parce qu'il a pas de papier. Il allait pas attendre que les flics arrivent. Et puis il a peut-être fait des trucs, je sais pas. Il faut qu'on le trouve, ce type, pour qu'il nous confirme ce que vous nous dites. Il s'appelle Mouloud comment? Je sais pas où il habite. Des fois, j'ai pas de nouvelles pendant... Mouloud comment? Mouloud Hamdouche. Tu y crois, toi, son histoire? Pas tellement. On sait jamais. Bon, je lance les recherches sur Hamdouche? Ouais, on va demander une recherche sur Allo Central. Antécédents, famille, etc. Le problème, ça va être la table ronde. Si elle a inventé l'agression et que Moncel et compagnie la prennent... Quelle idée d'inviter Fournier, sa nana, à dîner, franchement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais écoute, Bernardo, je suis crevée, moi. Tu te rends pas compte de tout ce que j'ai assumé? Le boulot, mon traitement, la maison. Tu crois que le soir, j'ai envie de faire à bouffer pour 4 en rentrant? Vincent, c'est quand même mon pote. Je te l'impose pas souvent, merde. On pourrait peut-être aller au resto, au moins. Un resto où c'est cher ou c'est pas bon. Puis c'est pas pareil, le resto. C'est important d'inviter les gens chez soi. Mais écoute, si c'est si important, t'as qu'à faire à bouffer toi-même, hein? Non, ça va pas du tout. Non, mais c'est pas vrai. Non, avec toi, c'est toujours pareil. Le shérif. J'ai trouvé un pâté qui a l'air extra. En entrée. Tu pourrais nous faire ton sauté de veau avec les carottes. C'est vrai qu'il est bon, mon sauté de veau. Des patates rissolées. Mais dis donc, c'est pour ça que tu les as invités? C'est pour te goinfrer, mon salaud. T'en as rien à foutre de tes potes? Pas du tout, non, non. Ton petit sauté de veau. Avec les carottes? Excuse-moi, j'avais les carottes à éplucher. À 7h du mat? Y'a pas d'heure. T'as commencé? Je me suis fait les bistrots, une caserne de passants, la boulangère qui est mignonne. Et personne ne connaît Monsieur Jacques. Pardon, monsieur. Police judiciaire. Nous cherchons un homme qui habite dans le quartier, la quarantaine, des garnis. Il a un chien, un collet. Ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. Merci. Je sens que ça va être galère. Tu me prends François? Police judiciaire. Prenez votre chien le matin? C'est la police ou SPA? Vous répondez s'il vous plaît. Évidemment, je promène mon chien comme tous les gens qui ont des chiens. Vous devez croiser d'autres propriétaires de chiens le matin. Bah ouais. On cherche un collet avec son propriétaire. Avec quarantaine, des garnis. Il habite le quartier dans un rayon de 50 mètres. Quelle couleur le chien? Roux. Il s'appelle Vic. Il a fait quoi? Vous savez où on peut le trouver ou pas? Je sais pas son adresse, mais il sort souvent de la cour là-bas. Arrivé, on n'attend plus que vous. Meurtre. Commissaire Meurtre. Commissaire Meurtre.
Policièrement. Capitaine. Bon, je déclare la séance ouverte. Nous sommes réunis sur la demande de la mairie pour examiner les droits et les devoirs des uns et des autres et pour trouver des solutions. Je suis désolé, mais moi je suis venu juste pour vous annoncer que la seule solution, c'est la fermeture. Ça commence bien. Mon père n'attend pas ça avec ce Charlot. Bon, s'il vous plaît, vous attendez que je vous donne la parole. Je vous préviens, monsieur Moncel, vos provocations, ça ne mènera nulle part. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Et qui c'est qui m'a fait ça, à votre avis? Et moi? Qu'en pense la police? Facho! On ne peut pas discuter avec vous. Oh, restez courtois, monsieur Moncel, s'il vous plaît. Et facho, c'est courtois? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai. Monsieur le serf! J'ai le renseignement sur Shérifa. Elle a un frère avec de lourds antécédents psychiatriques. Il s'appelle Malik, il a un beau casier. Coups et blessures, vol avec violence et consommation de stupéfiants. Et sur Mounou Dame Douche? Inconnu au bataillon. C'est vrai, quoi? Enfin, voilà, moi, je voudrais dire que je suis dans le quartier depuis 12 ans, que j'ai 3 enfants et qu'on en a marre de se faire importuner et trouver des seringues sur la place. Après 8 heures du soir, j'ai peur de rentrer chez moi et ce n'est pas normal. Bon, ben répondez-lui. Sur quoi? Mais je sais pas, monsieur. Sur les seringues. Mais c'est pas moi qui les mets, les seringues. Oh, la mauvaise foi. Il faut partir sur des bases simples. La drogue, c'est un problème social. C'est un problème qui concerne tout le monde. Les drogués ont besoin de centres d'écoute. Ils ont besoin d'être orientés. Vous êtes d'accord avec moi, quand même? Je sais pas, c'est pas mon problème. Madame. Oui, sans doute, mais moi, je peux rien faire. Mais y a pas de mais. Il faut prendre ses responsabilités de citoyen. C'est tout. Soit vous acceptez des foyers comme le nôtre. Mais allez les faire ailleurs, vos foyers, là où les gens sont d'accord. Mais enfin, vivre en société, c'est pas laisser la merde aux autres quand on sait pas quoi en faire, non? Vous êtes vraiment un facho, non, vous, hein? Je suis pas, peut-être un facho, mais favoriser la drogue, c'est pire que de trafiquer soi-même. Non, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer... Et pourquoi est-ce que, alors, vous ne faites pas les abattre d'une balle dans la nuque, les drogués? Ça serait tellement plus simple. S'il vous plaît. On va pas se laisser embarquer dans cette forme de logique, je vous préviens. Vous aussi, vous avez des responsabilités, la sécurité des enfants. Des enfants? Mais vous vous en foutez des enfants? Oh, non. Ça suffit! Vous savez que je commence à en avoir marre, moi, de toutes ces conneries de collégiens. Vous avez vraiment rien d'autre à vous dire? Entre lui, là, l'ex-groucho reconverti dans le social, qui voit des nazis partout, qui dirige un centre d'écoute mais qui sait pas écouter, qui sait même pas faire le ménage dans son propre foyer. Et l'autre, là, le cul coincé, là, entre ses tomates, ses sardines, mon quartier, ma place, ma vitrine, hein? Allez, là, vous êtes trop cons, là. Allez, hop, dehors. La réunion est terminée. Vous avez bien débattu. Plein de mental, qu'on avait juste... Allez, vous en avez vu, allez. On n'a pas que ça à faire, là, du travail. On n'est pas là pour rigoler. Je vous avais dit, j'en étais sûr que ça ne servirait à rien. Eh bien, vous en auriez été moins sûr, ça a peut-être servi à quelque chose. Allez. Mais je vous préviens, au premier tract anonyme, et à la prochaine saisie de drogue dans le foyer, ça va barder, faites-moi confiance. Allez, bonne journée. On peut se voir, vite fait? Je suis crevée, là. Oh, mais il n'y en a pas pour longtemps, seulement voilà, l'enquête avance, alors. Bureau au fond. Allez. Ça va? Oui, ça va. Simone. Simone. Vous savez, Simone, j'ai failli rechuter 40 fois depuis hier. Ça arrive. Oui, non, mais j'ai tenu parce que je savais que vous alliez venir aujourd'hui. Vous voulez me faire peur? Bon. Alors, on va le boire, ça va. On a fait une recherche sur Mouloud Amdouche. Il est inconnu de nos services. C'est peut-être pas son vrai nom. Vous avez de la famille ici? Non. Ma mère et mes sœurs sont restées là-bas. Et Malik? Ah oui, Malik. J'avais oublié, lui. Mais lui, je sais pas, je l'ai pas vu. Je le vois presque jamais. Ça fait au moins un an que je l'ai pas vu. Il faut arrêter de nous raconter des conneries, Shérifa. Nous, on va prendre une photo de Malik, on va aller voir tous les pensionnaires du foyer, on va leur montrer la photo, s'il y en a un qui le reconnaît, et il y en aura au moins un. Malik est bon et vous aussi, c'est clair?
Shérifa, c'est Malik qui vous a attaqué hier en crise de manque. Pourquoi vous nous avez raconté des salades? Parce que sinon, moi, je perdais mon boulot et Malik se faisait expulser. Et Malik, c'est mon frère. Ben ouais, mais maintenant, c'est ce qui va se passer, et en pire. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas laisser faire ça, quand même. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez m'aider. On peut rien faire. C'est aller trop loin, il nous faut Malik, maintenant. Mais il risque de se faire expulser. Il était dans l'armée avant. Il risque sa peau, là-bas, vous comprenez ça? On s'arrangera pour qu'il soit incarcéré ici, avec un traitement, éventuellement. Mais vous pouvez pas... Vous allez nous dire où on peut trouver votre frère. Soyez chic, ne lui dites rien. On a besoin de votre témoignage pour une affaire, c'est urgent. T'inquiète pas, ça ne durera pas. Tu m'attends à la maison? T'en as pour longtemps? T'inquiète pas, c'est juste un témoignage. Allez, à tout à l'heure, chérie. Bon, vous reconnaissez avoir loué un appartement, 20 rue Champin, deuxième étage. Pour mes affaires. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Ah, vous l'avez trouvé? C'est pas bien ce que vous avez fait, monsieur Jacques. C'est vraiment pas bien. Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Quoi? Mais comment vous pouvez dire ça? On s'est vu trois fois. Écoutez, j'aimerais pouvoir appeler mon avocat. Votre avocat, ça sera dans 20 heures. Parce que maintenant, je vais vous mettre en garde à vue. Et sur quelle charge? La plainte de madame. Et tout ce dossier qu'on a reçu. Mais il n'y a pas de plainte là-dedans. Parlons des 1200 francs qu'elle vous a laissés. Madame, je prends la liberté de vous poser une question. Je peux? Pourquoi vous me parlez comme si on ne se connaissait pas? Cet argent que vous avez laissé à quelqu'un que vous prenez pour moi, c'était un chèque? Vous le savez très bien. Répondez. Il y avait un billet de 500 francs et 7 billets de 100 francs. C'est vous-même qui avez insisté pour... Madame, je crains que votre affaire ne soit mal engagée, voyez-vous. Je ne suis pas juriste, mais du liquide, ça ne laisse pas de traces. Vous savez, nier tout en bloc n'arrangerait pas vos affaires. On fera témoigner la personne qui lui a indiqué votre nom. On vérifiera vos livres de compte, vos carnets de rendez-vous. Vos autres victimes, on leur fera porter plainte. Madame, vous voulez un bon conseil? Ouais, c'est ça, disait ça, exactement comme ça. Si vous voulez revoir votre argent rapidement, retirez votre plainte. Pourquoi? Parce qu'il va vous proposer de vous rembourser. Mais madame, pensez aux autres victimes. Le relevé du livret bleu, c'est dans 3 jours. Avec la plainte, on peut gagner en 3 jours? Non, en 3 jours, vous pouvez pas gagner. Ni même en 3 mois, j'en ai bien peur. Vous, ça va. Bon, ben alors, je vais retirer ma plainte. Vous m'en voulez pas trop? Non, non, c'est l'État qui vous en veut. Pardon? Laissez tomber. Je peux partir? Retombez pas dans nos pattes, monsieur Jacques. Madame, je caressais l'espoir de vous offrir un verre. D'accord. Eh ben, tu vois, on croyait que c'était elle, le pigeon, ben finalement, c'est nous. Ah ben voilà. Et non. Tu veux pas? On dirait que j'ai eu mal au ventre, d'accord? Hein? Allez, s'il te plaît. Salaud. C'est ici. Bernard? T'avais pas vu les étagères? Non, non, ça fait longtemps que je suis pas venu. Et vous avez trouvé à vous garer malgré les travaux? Ouais.
Vous buvez quoi? Moi, juste un verre d'eau, merci. Oh, le lieutenant, vous n'êtes pas en service, là? Ah. Mmh. Il sent bon, ton pâté. Il y a du foie gras? 20%. C'est régime, ça? Ah bah, il n'y a pas régime quand il y a des invités. Oh bah, c'est pratique comme truc, comme ça, quand t'as faim, tu nous passes un coup de fil. Le brigadier était tellement bourré qu'il tenait plus debout. Attends, c'était un brigadier chef. Le brigadier chef Morel. 22 ans de service. J'en sers. Il nous a pris pour un cambrioleur, non? Et attends, mais c'est quoi qu'il lui dit? Vous devriez appeler la police. Et le mec était vraiment en train de pisser. Ah. Attends, je sors du cœur, je fonce sur lui, je lui mets la main collée. C'était comme il sort. C'est pas vrai. Il m'a dit qu'il allait trop loin parce que j'avais une poigne d'enfer. Ah non, c'était... Alors ma mère m'a dit, entre dans la pièce, ta grand-mère est là, elle est morte. Je suis entrée dans la pièce, ma grand-mère était couchée, elle portait une robe couleur crème, avec des roses rouges. Elle était belle, c'était incroyable. J'avais toujours pensé que la mort c'était moche, puis non, c'était tellement beau. Tellement beau. Un petit dernier ?